Bonsoir tout le monde, nous venons porter pour une dernière tentative que le président Donald Trump a fait pour le mettre do Maduro à terre. En fait, qui s'allie tout effort que l'administration a fait justement pour le capoter le régime nan, au pouvoir, lui toujours était king à la ganache. En fait, espoir c'était que eh bien, les soldats de l'armée ont tourné contre Maduro, ils ont fait plusieurs tentatives en un pas marché, ils ont utilisé Guaido comme une photocopie, mais le régime dans la pire. Mais ces derniers jours, pas bien que le jour n'a pas avancé, Donald Trump en dit c'est moi qui ai compté pour qu'on est-ce que la Brite sous pouvoir ou pas. Donc, la, en fait, bonne question, livre marqué au point politique tout, surtout pour la Floride, côté qui gagne en pile vénézuélien. Donc, livre mettait au point politique, ça passe là. Dans le moment où on a parlé là, après que toute tentative finit échouée pour le capable de faire le régime nan plier, eh bien, tout échoué. Je dis à l'armée américaine, en fait, d'abord, ils ont offert, on causé 15 millions de dollars pour tout le monde qui était capable d'arrêter, mener Bayou Maduro. Ils ont mis l'argent dehors. Et ils ont dans la dernière ligne droite là. Dernière ligne droite là, en pile, on a assisté, eh bien, ils ont déploiement naval en force aérienne, plusieurs côtés. Pour une présence forte au niveau de la Caraïbe dans tentative pour ta renverser le régime là. Faut dire dans bataille ça, yo joindre plusieurs pays dans Caraïbe là, ils étaient réunis avec eux pour demander au soutien yo. Parmi eux, nous gagnons justement Haïti qui la donne tout, yo tout mettre ensemble côté que yo même tout y a demandé que pour Maduro ta retirer col sous pouvoir. Et en plus on l'a questionné au sous timing. Déploiement ça, timing, ça l'a dit. Nous, on côté que le monde entier a fait face avec phénomène coronavirus, ça, la vie moun a tombé pas pile et pas paquet. Nous, on côté que grand pile instance, organisation internationale qui a demandé pour faire pause dans cause de guerre, pour faire pause dans cause de sanctions économiques. Mais Donald Trump, avec toute force, li déployé un déploiement militaire que personne moun pas jamais depuis l'invasion 1989 pour être arrêté Noriega qui a été accusé. Narcotrafic, moun boko jamwe, ça n'a pas assisté là. Côté que on force énorme les États-Unis à tout prix qui voulait arrêter président Venezuela qui c'est Nicolas Maduro. Est-ce que l'a arrivé? Et sur qui base? Base nèg ça utilisé comme toujours, yo parlé de drogue comme quoi que Maduro c'était un narcotrafic. C'est accusation ça qui pesait sous dos justement Nicolas Maduro. Par contre, et ironie du sort, il se trouve que les ap compté en fait en termes de monde qui puissant dans cause ça nous les pays transit qui parle vide de drogue au niveau des États-Unis tout expert yo que Venezuela nan marinade Venezuela c'est un petit poule des maman dans cause ça. OK, on va prendre les pays tankou l'a pas de pays transit, on parler de Guatemala, on va parler de on parler de l'autre côté mais pas nécessairement Venezuela. Venezuela on va jouer dans 3e division, yo pas reconnaître li comme un pays transit dans cause drogue justement. Et nous bien tout Donald Trump qui fait déploiement ça, il pas pour compte lui, il y a 22 pays alliés de la Caraïbe justement et qui mettaient au sous côté qui cap soutenir bataille ça. Nous gain Sainte-Lucie et nous dou Haïti là dans tout, Panama, Colombie, Costa Rica, Honduras, Guatemala, yo tout yo situé yo autour du bassin de la Caraïbe. Et yo entré dans logique pour yo ta renverser Maduro. Mais vont bien Cuba pas dans cause ça, Cuba soutenir lui. Et là aussi tout a soutenu lui. Maintenant, bon l'autre bail pour nous souligner pour nous causer ça. Dans même temps, gagné la Grande-Bretagne que nous tous connaissons qui sont alliés de les États-Unis. Yo voyez un bâtiment qui c'est RF Auguste dans Caraïbes là. Navire ça c'est un complément de marins et d'aviateurs et yo t'ai attendu là. Attendez bien. Navire ça yo t'ai attendu pour saison cyclonique là. Il y a la donne et normalement c'est causé l'hôpital. C'est ça ta mission. Pour t'aider colonie britannique yo faire face à coronavirus ça. Mais personne moun pas comprendre pour qui ça que navire ça il pas gagne aucun équipement médical et kounye là c'est naviguer la naviguer. Il y a une question qu'a posé sous gros navire britannique qui était là pour zone cyclonique qui était supposé by backup mais il pas grand kin bagage médical là dedans et
yo pa ka ba explication pou ki sa navi sa sans équipage médical et li vin a la loz kòl nan zone Caraïb la. Donc en pile moun fè hypothèse que c'est un navi justement que yo vle utiliser comme renfort pour le déploiement que les États-Unis vle fè justement au niveau de la Caraïbe. Je dis à question qu'a posé calendrier ça suspect. Timing nan suspect. Tout côté a ravagé, tout côté gen problème. Et les États-Unis qui ça l'avance? Li avance, li dit, attendez bien, li dit oh, nous pas quitter monde profiter le fait que gen crise, gen problème pour qu'on ait faire narcotrafic dans pays nous. Donc d'après eux même, le Venezuela profite du fait que au gen crise et puis pour la régler cause drogue. Donc c'est dans sens ça, c'est accusation ça. Les États-Unis a profité de crise pour venir régler cause drogue. En ce sens que yo veut montrer que y a déployé en force. Parce que quitte en crise ou pas, yo va quitter personne moun vin fè bay drog dile la kayo. Mais pour pile moun yo pense que bon diversion, on jouet de diversion k'ap fèt là. Et tout moun focus. L'entendé ou dou pral gen 100,000 moun k'ap mouri nan pays, 1 million moun ap infecté. C'est la catastrophe. C'est une gestion catastrophique. Parce que le président justement, il pas jamais prend crise là au sérieux au départ, mais côté nous rivé là. Donc on joue de diversion là pour ta vie une actualité qui t'est capable justement faire oublier problème ça dans le sens que on t'a dit ouais liberté alors dame Donald Trump t'a pas positionné en tant que un libérateur comme quoi libérer peuple vénézuélien de un dictateur justement pour capable couvrir causer échec au niveau de coronavirus ça OK et de Donald Trump justement cap travaille tout quelque part pour réélection li en novembre. Donc ces facteurs ça qui explique que eh bien en novembre justement et pour la réélection. Donc le fait que le positionner en tant que un libérateur en façon pour être capable séduire les exilés du Venezuela qui en majeure partie se retrouvent en Floride. Donc il y a un aspect politique. OK? La Russie qui sont alliés du Venezuela, ils estiment que Américains ont vraiment vrai, ils ont voulu à tout bout, coûte que coûte, pour renverser Nicolas Maduro, pour que justement le président soit capable de faire un capital politique, puisque nous sommes en mois d'avril, il a compté jour là pour entrer dans l'élection. Mais pas qu'il y a aucun rapport vraiment vrai avec ça ou avancé, comme quoi que eh bien, Nicolas Maduro, justement, tenait en cause Edouard. Et en attendant que. Et bateau ça va avancer. Nicolas Maduro va passer à l'action. Li ordonné arrestation immédiate de tout associé de Juan Guaido, qui c'est leader de l'opposition, qui était autoproclamé tête li comme président Venezuela avec soutien notamment communauté nationale là. Donc Nations Unies, organisation humanitaire, yo mandé une suspension contre tout plusieurs pays, notamment le Venezuela. À cause de crise là et américain justement au lieu pour aller dans sens ça yo opté pour une déclaration de guerre ni pas l'autre que ça yo opté pour une déclaration de guerre avec les Venezuela. La question à se poser, est-ce qu'effectivement on va assister à une guerre au cœur de cette guerre contre le coronavirus? C'est là la question. L'avenir en dira le reste, mais en tout cas les deux sont jetés. Jean Noël là, toute planification est faite effectivement pour que eh bien nous entrer dans une invasion. Alors que le monde a fait face avec une véritable pandémie. Depuis 1987, il n'y a pas jamais moins un déploiement militaire aussi énorme. Depuis l'arrestation du président Noriega, qui était accusé de narcotrafic, même genre, eh bien. Il y a beaucoup de gens qui ont aussi fort déploiement des États-Unis qui, avec toute force, li, effectivement, tablé sans emparer de Nicolas Maduro. Donc, c'est un jeu d'échec qu'a fait là. Il faut comprendre bien. C'est un jeu d'échec. Et que Donald Trump, justement, notamment suivant le conseiller Lio, montre que c'est un plus gros pion que le posé dans le moment, positionner comme libérateur et retirer Maduro au pouvoir. Maintenant, est-ce que ça va être facile? Est-ce que Maduro pral tout simplement capitulé? Pas nécessairement. Donc, c'est justement une scène à suivre. Ou bien tout, est-ce que Maduro pral opter pour l'option diplomatique? Puisque n'est-ce pas l'option diplomatique tout?
c'est qui ça? C'était bien place avec un gouvernement de transition. Gouvernement, c'est pas nécessairement Guaido non, qui a pas le pouvoir, mais un gouvernement neutre, transition, et que tu as pas le refaire élection, Maduro a pas toujours aller, Guaido et Ronald Guaido a pas toujours aller, qui pour faire élection et que ça qui gagne à bin président. Est-ce que justement président Nicolas Maduro capable de jouer sous option ça qui a été proposé à tout? Une option quelque part qui pas tellement aller dans sens Guaido parce que Guaido était déjà pensé que le président. Mais n'ayez pas entendu tout que Guaido c'est clair, c'est, il va aussi fort, il va aussi smart tout, puisque Guaido c'est un, comme on a dit ça, c'est un envoyé. Guaido c'est un nègre qui a utilisé, mais qui va pas nègre au résultat sur terrain. Mieux pas nègre un bon espoir, tout faire comprendre que le gain contrôle terrain, que le gain mondial, que le café c'est grave, c'est là. Mais sur le terrain, Guaido n'est justement pas aussi fort, ok? Que gens que l'a fait en pile monde quoi? Il va maîtriser les acteurs en présence, les forces en présence. Nicolas Maduro montrer que il gagne contrôle terrain, il gagne contrôle terrain. Il n'y a pas qu'à même persuader général Bokotel et gagne corps pour ça. Va jouer ba, non ça me dit là, gagne corps pour ça. Il dit pas qu'à jouer dans pays monde qui vous te ca traite monsieur même. Donc fort fort oui sur le plan politique. Et c'est bon pays qui riche tellement pour l'arriver Kembe. Et Donald Trump voit que joue la compte joue et qu'il voit que effectivement il va le finir mandat pour pas arriver renverser Maduro. Voilà l'unique objectif. C'est un objectif politique, il n'est pas vraiment en question de narcotrafic. OK? Donc voilà en substance, nous autres on va suivre ce qui va se passer, bien l'avenir en dira le reste si effectivement n'est qu'il va pas arriver capoter Maduro au pouvoir. Portez-vous tout bien. Bye bye tout le monde.